au long de l'année, nombreux sont ceux qui profitent des joies de l'océan et de la mer, notamment en pratiquant des activités nautiques. Mais au fait, que sait-on de la qualité de ces eaux? Trois principaux types de pollution contaminent nos océans. Les déchets aquatiques, les pollutions chimiques et les pollutions bactériologiques. Ces deux dernières pollutions ne sont pas toujours visibles, mais elles sont bien réelles et ont un impact concret sur l'environnement et sur notre santé. Les tensioactifs. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ils ont gagné leur place dans notre quotidien. Gel douche, dentifrice, détergent, adoucissant. Tous ces produits chimiques contiennent des tensioactifs, qui sont un véritable poison pour notre environnement. Ils ne sont pas toujours éliminés par les stations d'épuration et se retrouvent dans le milieu via le réseau des eaux usées. D'autres sont encore plus connus car plus médiatisés. Par exemple, les pollutions chimiques aux hydrocarbures comme les marées noires. Chaque année, plusieurs centaines de millions de litres de pétrole sont déversés dans les océans. Une multitude de produits chimiques polluent nos eaux. Ces produits se dégradent très lentement et ont un impact fort sur le milieu qu'ils contaminent. Les pesticides, parmi tant d'autres, s'infiltrent et ruissellent jusqu'à nos océans. Les études faites sur les pollutions chimiques sont nombreuses concernant l'eau potable, mais restent très rares au niveau des eaux de baignade. La pollution bactériologique, quant à elle, est mieux évaluée. Les pollutions bactériologiques sont d'origine fécale, humaine ou animale. Elles se retrouvent dans l'eau de deux façons, par les rejets des stations d'épuration qui ne parviennent pas toujours à traiter correctement les eaux usées, ou encore les rejets des foyers, dont les raccordements au réseau d'assainissement peuvent être défectueux ou inexistants. C'est aussi par le ruissellement que ces bactéries arrivent dans l'eau, via l'agriculture intensive avec les épandages de lisiers, ou les déjections des animaux emportés par la pluie. Les bactéries se retrouvent alors dans la nature en trop grande quantité. Les organismes de contrôle sanitaire de chaque pays européen effectuent donc des prélèvements pour évaluer la qualité bactériologique des eaux. Ils s'intéressent à deux catégories de bactéries intestinales, les Escherichia coli et les entérocoques. Ce sont des bactéries naturellement présentes dans les systèmes digestifs de l'homme et des animaux. Leur forte concentration révèle la présence d'une multitude d'autres bactéries dangereuses pour notre santé. Des seuils à ne pas dépasser sont donc fixés. Mais les prélèvements officiels effectués ne se déroulent qu'en été et seulement dans les zones de baignade. Pourtant, les pollutions d'origine bactériologique peuvent se retrouver sur n'importe quelle portion de nos littoraux, et ce, toute l'année. Les résultats obtenus ne sont donc pas pleinement représentatifs de la qualité des eaux sur nos côtes. Afin d'informer les usagers et d'initier une prise de conscience des décideurs, Surfrider, en complément des prélèvements officiels, publie des données sur l'évolution de la pollution des zones d'activité nautique. Pour cela, l'association effectue ses propres analyses en laboratoire. Ces prélèvements permettent de disposer d'informations supplémentaires tout au long de l'année afin de mieux cerner et donc mieux combattre les pollutions bactériologiques. En période estivale, près de 13 000 plages sont surveillées sur le littoral européen. Lorsque l'eau d'une de ces plages dépasse le seuil de pollution bactériologique, cela entraîne une fermeture de la zone de baignade concernée. Le drapeau interdisant la baignade est alors hissé. Chaque année, tous les États européens ont pour obligation de transmettre à la Commission européenne la liste de l'ensemble de leurs sites officiels de baignade, ainsi que les résultats de qualité des eaux de baignade qui ont été obtenus durant l'année en cours. Depuis quelques années, Surfrider a constaté qu'un nombre significatif de plages disparaît des listes officielles. C'est le délistage, comme ici en France. Le rapport 2010 de l'association évoque deux raisons pour expliquer cette tendance. Une volonté d'obtenir de bonnes statistiques. Effectivement, une plage non référencée ne peut être classée en zone de mauvaise qualité. C'est aussi pour éviter des travaux de mise aux normes coûteux pour traiter les problèmes de pollution. La directive européenne 2015 sur les eaux de baignade impose des seuils plus stricts concernant la pollution bactériologique. Son application risque donc d'entraîner une multiplication de ces phénomènes de délistage, car 10% des plages, selon une étude Surfrider, ne respecteraient pas les nouveaux seuils imposés. L'objectif est donc d'être en conformité avec cette nouvelle réglementation et ainsi conserver les plages ouvertes en offrant une eau de baignade de qualité. On a fait ici plus de 5,5 millions d'euros de travaux, justement pour reconquérir la qualité de notre baignade. Ça coûte tellement cher, oui, que est-ce que certaines communes ne vont pas être tentées de ne pas faire ces travaux? Ah oui, oui, je vous assure que si sur Guétari j'avais mis 5,5 millions au-dessus du sol, ça se verrait. Alors j'ai des routes qui ne sont pas en état, j'ai d'autres choses, mais enfin pour nous c'était une priorité. Une priorité pour la mer, mais aussi pour notre environnement. On se doit de préparer un avenir quand même pour nos enfants, quoi. Et on ne peut pas laisser aujourd'hui dégrader ce milieu. C'est trop important. Se baigner dans une eau de mauvaise qualité n'est pas sans danger pour notre santé. Les risques encourus sont bien réels et nous ne faisons pas toujours le lien entre des symptômes et une baignade antérieure. Parmi les infections les plus fréquentes qu'on constate causées par des bactéries, donc il y a les infections de plaies. Donc, toute plaie, aussi minime soit-elle, écorchure et gratinure, peut être la porte d'entrée pour une infection. Les infections des yeux, les conjonctivites par exemple, les oreilles. Il suffit que de l'eau rentre, se coince et qu'il y ait des bactéries qui se développent pour provoquer une otite externe. Les gastroentérites, on ingère de l'eau polluée et une gastro se développe. Donc ça, ce sont les, on va dire, les grands risques les plus fréquents liés à une pollution de l'eau bactériologique. La pollution chimique, quant à elle, n'est pas prise en compte dans la qualité des eaux de baignade. Et pourtant, c'est très important de s'intéresser à cette pollution chimique, puisqu'on a parlé de la bactériologie qui est couramment faite. Mais le gros problème, c'est cette pollution chimique qui n'est pas quantifiée. Donc on a commencé à faire certaines recherches et on se rend compte qu'il y a beaucoup de polluants, des polluants qui sont dangereux pour notre santé, que ce soit les pesticides, les phtalates, les détergents. Et c'est important de la prendre en compte parce que s'ils sont présents dans l'eau, ça veut dire qu'ils viennent de notre environnement quotidien. Et quand on sait qu'ils sont responsables de pathologies comme les cancers, le diabète, les troubles neurologiques, c'est important de faire une espèce de cartographie, bien sûr dans la mer, mais aussi dans notre environnement quotidien, parce que c'est un espoir pour nous d'arriver à travers des conduites simples à avoir une attitude préventive devant toutes ces maladies. Mais l'homme n'est pas le seul touché. Les pollutions chimiques et bactériologiques n'épargne pas le milieu naturel et de nombreux impacts sont perceptibles. Destruction de la faune et de la flore, disparition des récifs coralliens, eutrophisation et apparition de marées vertes, ou encore dérèglements hormonaux à travers la féminisation de la faune. Chacun de nous a un rôle à jouer pour limiter ces pollutions. Pour les communes, cela peut être améliorer la performance des stations d'épuration. Dans notre quotidien, c'est par exemple utiliser moins de produits nocifs pour l'environnement. Les origines des pollutions chimiques et bactériologiques sont localisées. Mais les pollutions n'ont pas de frontières et leurs effets sont globaux.